Salut mes gens! Hey! Salut mes gens! Bon bah, ça y est. T'es où, connasse? T'avais dit que tu serais là dans 5 minutes! We need someone to lead on. Je crois que je suis un peu musclée. De rien, madame! Bonne journée! Tu peux pas m'attraper, bébé! Alors, moi, c'est Shara Kerensky, j'ai 23 ans. Et ça fait depuis 2013 que je suis sur YouTube et je suis plus axée sur curly hair, enfin tout ce qui est cheveux frisés du coup. Mon spécialité à cheveux texturisés, de la mode mais aussi un peu du lifestyle comme on pourrait dire en fait dans le jargon youtubesque si je peux dire. Je me déteste quand je parle comme ça. Dernière étape pour réussir son selfie, être naturelle. J'ai des origines algériennes russes, donc mon père est russe. Et donc du coup, c'est le nom de mon père en fait. Et Shera, c'est le diminutif de mon prénom, ouais, qui est Sherazade. Donc voilà. Je suis souvent avec ma cousine et dans la rue, il y a beaucoup de gens qui me demandent comment tu fais avec tes cheveux, comment tu fais pour t'en occuper, c'est quoi ce volume, comment tu fais. Et ma cousine m'a dit, mais à force de te répéter tout le temps, pourquoi tu ferais pas une chaîne YouTube? Parce qu'il y a de la demande. Et donc du coup, je fais, ah ouais, pourquoi pas. Et le soir même, j'ai fait ma première vidéo YouTube. J'ai pu trop d'abouche, j'étais trop dégoûtée, franchement. Non mais Shera, toi avec ton bouton, c'est pas mieux, t'inquiète pas, va te soigner s'il te plaît. C'est vrai que moi personnellement, je m'estime ni dans la beauté ni dans l'humour, en fait. Je suis un peu comme tous les gens qui me regardent, je regarde des vidéos YouTube. Et c'est vrai qu'il y a des thèmes qui sont trop récurrents, il y a trop superficiel, etc. C'est vrai que ça, c'est quelque chose un peu qui m'agace. Donc j'essaie d'apporter un vent d'air frais, de simplicité et d'authenticité surtout, parce que c'est vraiment ce qui se perd sur YouTube. Si ton mec il va voir ailleurs, c'est qu'il te mérite absolument pas, c'est tout. C'est que c'est qu'une pauvre merde. J'ai envie d'avoir le rôle un peu de grande sœur auprès de mon public. C'est-à-dire que j'aimerais tant l'alerter sur certains problèmes sociaux ou j'aimerais prévenir, avoir des buts un peu préventifs, comme la vidéo que j'ai fait sur les piercings. Ou alors regarder des vidéos du perceur qui perce la personne. Ne faites pas ça. Pour que les jeunes filles en fait ne fassent pas des erreurs que beaucoup ont fait. Et je suis vachement engagée aussi sur un peu tout ce qui est droit des femmes suite à ma vidéo sur le harcèlement de rue. Hé, mademoiselle. Et c'est vrai qu'aussi d'un côté ma chaîne est assez légère. Donc j'essaye de lier l'utile à l'agréable. Je me rends compte que moi, les problèmes que j'avais quand j'étais jeune par rapport à mes cheveux et le regard des autres, en fait, c'est quelque chose que j'enseigne aux jeunes, plus jeunes que moi ou alors aux filles de mon âge. Donc je vois que je les aide énormément à s'épanouir tant avec leurs différences qu'avec leurs cheveux, etc. Et moi, personnellement, ça m'a permis d'avoir des rencontres et de rencontrer des gens formidables. Enfin voilà, c'est un nouveau monde que je découvre et super enrichissant. J'aimerais bien faire un make-up à Cyril Hanouna. Mais c'est parce que je l'adore, parce que toute ma famille l'adore. C'est comme le deuxième fils de ma mère, c'est trop drôle. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez vraiment kiffé cette vidéo.